Bonjour téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, bienvenue dans Fafa. Je suis Chola et je suis en compagnie de Mister Serge Défalé. Alors comme tous les samedis, nous avons une invitée et celle-là même fait les beaux jours du coupé décalé. Artiste chanteuse, elle est une véritable bête de scène. Quand elle donne des coups de rein sur la scène, le public est en transe. Vous l'avez deviné, Vital est l'invitée de Fafa. Bonjour Vital. Bonjour Chola. Bonjour Vital. Bonjour. Tu es exceptionnellement belle en ce jour. Hein? Oh là là, merci. Avec tous ces accessoires, ces artifices. Oui, on va dire merci à Mayaka Création. Hein? Voilà. Ça fait femme à quand ? Ça oui. Femme à quand un peu. D'accord, mais c'est bien, ça va faire qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Okay. Vital est de quelle origine ? Alors, moi j'ai un côté moi de Kounaïri. Et puis j'ai un côté Akan de Boisflé. Yowale, si vous voulez. D'accord. Okay. Ouan de quoi? Kounaïri. Ouan de Kounaïri. Oui, je suis Ouan. Je viens de Kounaïri. 50%. Okay. Et 50%, je suis Akan, Yowale, de Boisflé. Ah, et Ouan, ça tire à. C'est à peu près. C'est un peu comme le gourou. Voilà, voilà, parce que c'est ça, il faut préciser un peu. Un peu c'est comme un peu comme le gourou. Même le Yoro, c'est un peu comme le gourou. C'est un peu comme le gourou. Voilà. Aussi. C'est pourquoi souvent je dis je suis gourou. Parce que c'est un peu la même tradition, les mêmes manières de faire et tout. Donc, ça. Donc tu sais ce que c'est que le cudan gourou alors? Je connais bien le cudan. Elle doit utiliser ça souvent. Non, avec ses coups de rein qu'on voit à la télé. Pas besoin. Pas besoin. Non, pas forcément qu'elle puisse utiliser, mais est-ce que tu proposes le cudan gourou à ton homme? Il n'a même pas besoin de ça. Lui-même, là, il est déjà prêt. Il est garçon plein. Ne sois pas pressé pour parler de l'homme de Vital, parce que tu sais que l'émission est très longue. Je sais. Donc Vital, toi. Gourou, donc. Je voulais voir clair dans le cadre du curant. Ah, il y a ça aussi. Donc Vital est Ouan et Yowle. Voilà. Donc à l'état civil, ça donne quoi? C'est Nadège Bomisso. D'accord, Nadège Bomisso, voilà. Alias Vital Vivi Marley. La nièce de Bob Marley. Et tu arrives dans le coupé décalé de quelle manière? Ah, j'ai commencé d'abord par la danse et après j'ai décidé d'entamer la carrière solo. Donc on va dire de la danse à la chanson, c'est un pas. Mm-hmm. Voilà. Et tu as dansé pour qui? J'ai dansé pour la diva Aïcha Koné, okay. À qui je fais un coucou. Et puis j'ai dansé avec Mewé aussi. Ah, qui était ton ex? Mon Mewé. Hein, tu n'es pas sorti à Mewé dans le temps ah, quand tu dansais? Mewé, mon ex. C'est ce que j'ai entendu dire. Il paraît que tu étais... Mais monsieur la souffre d'elle. Non, non, Vital, on va dire les choses telles qu'elles sont. Il paraît, d'après ce que j'ai entendu... Mais pas, même en rêve. Laisse-moi terminer ma question. Oui. Ce que les gens ont dit là, c'est ce que j'ai appris pour te dire. Qui est les gens? Les gens. Donc, les gens ont dit, demande bien à Vital, quand elle dansait avec Mewé, elle a eu une relation amoureuse avec lui. Et dans le temps, d'après ce qu'on a dit, Mewé sortait avec une de ses danseuses qui était sa titulaire, que tout le monde connaissait. Donc, comme elle a appris la relation cachée de Vital et Mewé, elle a décidé de chasser Vital. Qu'en est-il exactement? Du groupe. On ne m'a jamais chassé du Zogang. Jamais, au grand jamais. Okay. J'étais au Zogang, j'étais même d'ailleurs le bébé chou du Zogang, particulièrement de mon père Mewé. Il était son bébé chou. Mais bébé chou comment? Dit qu'il avait une relation intime avec lui, c'était une relation de père-fille jusqu'à aujourd'hui. Okay. Tu sais, moi je commence à me... Et quand j'ai accouché, je suis partie encore au Zogang, mais j'avais pris du poids. Donc, on m'avait demandé de suivre un régime pour avoir la forme, de préparer tout ça. Mm-hmm. Et c'est dans en me préparant tout ça là, j'ai vu que le temps était un peu long. Mm-hmm. Voilà, donc j'ai dit, bon, papa, moi-même, comme je t'ai dit depuis longtemps, je voulais chanter. Donc, je demande la route. Voilà, c'est pour ça qu'il m'a dit, ok, vas-y. Non, Dieu, t'as il a même financé, jamais de la vie, il a même financé mon premier clip coup de pilon. Ah bon? Oui, il est même dans le clip. Généreux, hein, papa. Bien sûr, oui. Il est même dans le clip, il faut bien regarder le clip, tu vas le voir. Déjà. Mais Défalé, tu sais ce qui me fait bizarre, c'est que... Quand elles appellent les gens papa, papa, comme ça, dans le milieu, en général, les papas fromponnent les enfants. Parce on a vu ma cousine et Sarah Besson. Papa, ma fille, papa, ma fille. Alors que dans le fond, les deux se pinchent. Elles se pilonnaient sauvagement. Makoso trompait sa femme avec Sarah. Sarah trompait son mari avec Makoso. Voilà. Donc, est-ce que ce n'est pas le cas de Vital? Non. Oui. Non. Bon, si c'était la vérité, peut-être qu'il y a des gens qui le font ainsi. Mais moi, non.
D'accord. Quand c'est papa, ça c'est papa. En parlant de Makoso, à ce qui paraît, Makoso se serait séparé de Sarah Messan à cause de Vital. On dit Sarah Messan vous a surpris. Sarah Messan vous a surpris d'une position patrocratesque. Bon, Sarah même là, elle est en vie, non? Vous pouvez l'amener ici. Voilà, elle vient d'accoucher, j'ai appris. Soit c'est vrai ou c'est faux. C'est vrai. Voilà, vous l'invitez ici et puis vous le demandez vraiment si moi, Vital, elle m'a déjà surprise quelque part. Bon, en attendant que Sarah arrive ici. Parce que même si elle dit c'est faux, elle dit que c'est quelque chose qui est menti. Elle est là. Non, nous. Emmenez-la ici, elle lui pose la question. Vital, tu sais que dans Fafa. C'est quelque chose qui n'est même pas vrai. Ah. Tu sortais pas, Makoso? Non. Pourquoi? Jamais même. Pourquoi? Le général t'a pas fait. C'est mon père spirituel. Ah, tu as vu, Vital, tu as trop et de. Et puis je suis son élève, la marmaille. Mmh. Ah oui. Mais en tant que la marmaille, là, tout est permis, hein, tous les coups sont permis. Par exemple, c'est dangereux, la marmaille, c'est mélangé, c'est bon. C'est ça. Il n'y a pas quelque chose qui est clair dedans. Parce que d'après ce qu'on nous a dit. Moi, tout est clair. D'après ce qu'on nous a dit, on dit que Makoso, au-delà de ce qu'il est, c'est aussi un proxénète. C'est ce que les gens ont dit. On lui a demandé ça ici. On dit c'est un proxénète. Et qu'avant de livrer ses filles à des gens qui ont de l'argent, il fait d'abord la marchandise. Moi, il m'a livré à qui? Bon, est-ce qu'il t'a livré ou il t'a pas livré? Ça, on ne sait pas. Est-ce qu'il t'a livré? Vous savez qu'il livre ses filles. Moi, il m'a livré à qui? Mais est-ce qu'il t'a livré? Moi, tu connais ma relation. Est-ce que c'est Makoso qui m'a mis en contact avec lui? Non, mais là, on parle de là, on va dans le passé. Mais c'est pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Bon, on parle de quoi? Vous deux, il y a quelque chose qui vous lie. Il y a quelque chose qui vous lie. Non, c'est Makoso qui a montré vous des garçons. Arrêtez un peu. Non, on n'a pas dit que Makoso t'a montré vous des garçons. Il ne peut pas me livrer même. Donc toi-même, tu te livres. Si quelqu'un me plaît, que la personne me drague, si je veux accepter, j'accepte. Voilà. Pourquoi c'est quelqu'un qui a montré vous des garçons? Donc Makoso ne t'a jamais présenté un babatien du pays. Quand lui et moi, on s'assoit. Soit il veut pour le racketter, soit je vais pour lui expliquer que c'était un problème. Et puis il me donne des conseils, c'est tout. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, la Makoso a l'argent, comme avant, vu que ça ne mousse plus pour lui, hein? Est-ce que quand tu vas le racketter, il te donne toujours bien? Est-ce que je suis comptable de Makoso? Passe après. Est-ce que je suis comptable de Makoso? Est-ce que je suis gestionnaire de Makoso? Je ne connais pas ses revenus. Quand tu vas maintenant, est-ce qu'il te donne comme avant? Ce que je lui demande là, il me donne. Et tu es sa fille? Il a un bon cœur, c'est tout. Moi, comme ça, là, quand quelqu'un me demande service, si j'ai ça, je donne. Vital, bon, pardon, donne-moi 10 millions. Il faut toujours partager, des deux combien? 10 millions. Moi, mais je cherche ça actuellement. Ah, d'accord. J'ai dit, franchement, bon, il y a un autre côté où tout à l'heure tu as posé une question. Mais je pense que j'ai une question qui va aller dans le sens de la réponse de la question que tu m'as posée. C'est ça. Alors, Vital, ces temps-ci, on te voit beaucoup en deux avions, Abidjan-Paris, régulièrement. Hein? Oui. C'est pas pour aller faire gombo. Non. Donc, quelle en est la cause réelle? Mais j'ai mon fiancé là-bas. Ça, je ne cache même plus, tout le monde le sait. C'est qui ton fiancé? Mais il connaît mon fiancé, toi, mais tu connais, tu fais exprès. Moi, je ne le connais pas, tu me l'as présenté quand? Arrêtez un peu là. Les téléspectateurs ne le connaissent pas. Mais c'est le grand M. Le grand M, c'est Molare. Ça n'a pas de nom? Oh, Molare, il vit ici. Ah. Non, comme il va. Parce que pour Molare, elle fait la navette entre la France et ici. Bon, Molare, il vit ici. Le grand M, il est avec nous ici. C'est le grand M, il s'appelle Marco. Marco qui? Hey! Donc, Marco, il a dit. Non, ça suffit pas. Tu t'appelles Bomisso Nadio. Mais non, c'est pas une affaire. Si vous voulez vous échapper, vous passez vers les baoulous là, arrêtez. Ici, on s'échappe pas. Non, elle peut pas s'échapper. Je peux pas, mais non, je peux pas voiler ça. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Seulement que les choses sont pas encore officialisées de officialiser. Mais on a déjà fait les premiers pas déjà. Voilà, c'est Marco. Son nom de boucan, c'est Marco Versace, qui est l'ami de Défalé. C'est son ami. Mais ok, mais Vital, moi je suis tenté de me poser des questions. Parce que tu sais qu'au jour d'aujourd'hui aussi, la nation t'attend. Pourquoi encore? Après le mariage. Faux mariage. Merci ma soeur, Niambla, tiens. Pourquoi? Femme ça. Moi ça c'est venu Défalé. Non, faux mariage, non, mariage, papa. Non, Vital, quand tu parles. Excusez-moi, monsieur, pas le baoulé, c'est que les gens comprennent que. Tu ne peux plus, il n'y a pas de roue. Elle veut m'amadouer. Comme je suis baboulée comme elle, elle m'a marié. Ça va pas prendre. Moi aussi, il n'y a pas de nyambo. Une année, hein. Avant un faux mariage, bien. Non, non, mignon. Ah, non, mignon. Elle dit, c'est pas elle. C'est pas moi. Moi, je demande, il dit, ton faux mariage là. Bon, parce que Vital, franchement, toute la nation s'est sentie trompée. Flouée. Oui. Bafouée. C'est ça. Un mariage, c'est sacré. Bien sûr. Et comme ça, Vital, je suis marié. Tu as la nouvelle de mon Wang? Oui, on s'écrit souvent. On a même un projet. Encore? Oui. Non, c'est pas deuxième mariage encore? Non, arrêtez. Non, c'est pas mariage, mais on a un projet musical ensemble. D'accord. Voilà. Vous allez vous embrasser dans le clip encore? Mais attends, on va passer toute une carrière à faire des clips avec les mêmes acteurs? Mmh. Ah,
Mais est-ce que c'est pas le même contexte? C'est pas le même contexte. Mais est-ce que vous êtes obligé de vous embrasser dans le clip? C'était le buzz. Ça vous a pris donc? Mais pour Marco Versace, là, j'espère que c'est pas un buzz encore. Hein. Pour qui ça? Marco Versace. Mais si c'est un buzz, à vous le saurez. Non, Vital. Non, Vital, on va pas vivre comme ça. Non, on est fatigué. On peut faire un buzz pendant des mois comme ça? Tous les jours, en deux avions, on va buzz, pourquoi pas? Pour bon, là, buzz, dans quel sens? Bon, ok, mais pour Mungu Wang là. Mais la chanson est sortie? Non, on n'a pas duré. La chanson est sortie? Mais d'aucuns disent que tu as eu une relation, tu as eu une relation amoureuse avec Mungu Wang. C'est ce que les gens peuvent dire, puisqu'on s'est promené ensemble. Mmh. Mais avant que le clip sorte, non, pas des relations intimes. Ah. Mais avant que le clip sorte, on se baladait ensemble pour faire croire aux gens que c'était un vrai couple. Avec bisous langoureux comme ça, pas des relations intimes. On peut passer à notre question? Non, absolument pas. Ici, c'est pas pas. Et c'est nous qui décidons. On va passer à notre question. Non, Vital, on va continuer. Je ne me reconnais pas dans ces dires. On dit la fiancée de Momo Wang voulait te porter, mais une fois. Seigneur Jésus. Oui, Momo Wang, quand je faisais mon buzz avec lui, n'avait aucune fiancée. Ah, lui, il a dit qu'il était fiancé. Aucune copine. Non, moi, je n'ai pas vu. Ah, d'accord. Mais c'est normal, tu ne peux pas voir ta rivale. Comment ma rivale? Mais alors, dis-nous, Vital. Tu penses qu'un homme occupé pourra faire ça? Garçon d'habitude, ils ont honte. C'est vrai que certains hommes n'ont pas honte, mais vraiment. Certains hommes quand même qui se respectent. Bon, dis-nous, Vivi, à un moment là, des jours là, c'est-à-dire que peut-être artistiquement, et c'est pas pourquoi, on te sent pas tout taper comme tu tapais avant, c'est quoi? C'est le love qui fait ça ou bien c'est quoi? Non, j'ai demandé de me retirer un tout petit peu, voilà, pour régler certaines choses, remplir certaines formalités. Quelles formalités? Vous allez voir ça après. Vital, de toute façon, tu parles là. J'ai l'impression que tu es en train d'annoncer un mariage imminent, mais tu ne veux pas nous dire les choses telles qu'elles sont. J'ai pressenti ça. Comme si Vital va se marier avec Marco. Amen. Exactement, avec Marco Versace. Amen. Et elle est en train de préparer ça, un mariage. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler comme début ça. Début 2023. C'est vrai ou c'est faux? Niambla. Je dis, moi, j'ai le flair, hein, mamie. Bon, ce qu'on va dire, restez à l'écoute. On reste à l'écoute. C'est l'écoute qui a resté à nous. Bon, Vital, pas là. De toute façon, tu commences à dire calme, tout ça. Est-ce que tu ne cherches pas à monter une nouvelle image, une autre position, ou bien on t'agarre? Non, tu connais Marco, il va me garer pourquoi? Ah, ok. Ouais, il m'a connu dans ça. Au contraire, mais lui m'a dit, mais pourquoi deux jours là même, tu ne fais pas trop de. Il dit, mais calme-toi. Non, mais sérieux, parce que nous-mêmes, c'est ce qu'on se pose comme question. Mais tu as changé un coup, façon. Tu sais que quand tu fais les tapages, les bruits aussi, arrivé au moment où tu es fatigué, tu dois te reposer un peu, pour chercher d'autres choses, d'autres idées. D'autres aspirations. Donc, voilà. Quoi. D'autres idées, d'autres nouveautés. Et au moment opportun, tu frappes. Mais est-ce que Vital... Même les prémices, je n'étais pas là. Oui, parce que tu étais en France. Tu l'ouvrais avec Marco Versace, on te voyait sur les Champs-Élysées. Mais bien sûr, je n'ai caché rien. Langoureusement. Mais bien sûr. Est-ce que quand vous vivez vos bonheurs... Est-ce qu'on n'est pas une bonne dose d'amour? Oui, mais est-ce que quand vous vivez vos bonheurs, vous êtes obligé de vous afficher sur les réseaux sociaux? Mais bien sûr, moi j'affiche pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais avec vous... avec vous les hommes. Ok. J'affiche, c'est un peu comme une enquête. Et je te dépose. Si tu appartiens à quelqu'un, la personne va se montrer. Et je l'ai déposé, j'ai vu que c'était un monsieur libre. Ah, c'est ce qu'il t'a dit. Attaqué, je me suis assise. Lui aussi là, tu t'es placé aussi là. Peut-être lui aussi là, t'as pour voir si quelqu'un va venir. Mais moi, je suis partie, j'étais célibataire. Voilà. Est-ce que tu as bien fouiné du côté de Paris pour savoir que Marco Versace n'avait pas de relation là-bas? Non, il a son passé. Non, mais moi, actuellement là. Présent. Non, c'est pas possible. Mais j'ai vu avec lui, non? Je vis avec les gars de Paris. Non, on se balade partout, dans les boîtes de nuit, partout. Ça, c'est rien pour lui. On fait toute la course, il fait même au boulot avec lui. Je l'assiste partout. Et il fait quoi comme boulot à Paris, Marco Versace? Mais c'est chef d'entreprise. Papa Caviar? Pas Caviar? Même si c'était pas Papa Caviar, c'est un métier noble, mais il ne fait oui, pas ça. Absolument. Il ne fait pas ça, il est un chef d'entreprise. Et il fait quoi étant chef d'entreprise? Quand il va venir s'asseoir ici, il va lui poser des questions. En attendant que Marco Versace ne vienne ici, Vital, il est je sais qu'il a son bureau, il a plus de 50 même employés. Ah bon? Ah bien sûr. Donc c'est pour ça que tu bouffes son argent comme ça sur les Champs-Élysées? Je ne bouffe pas son argent. Moi-même, j'ai mon argent. Si, Vital, parce qu'on m'a dit que ça, ça paye. Hein. Tu bouffes l'argent du monsieur, c'est toi qui conduis sa voiture à Abidjan. Et puis, il a une vraie caisse. Oui. 2022. Mais ce qui est à lui est à moi, ce qui est à moi est à lui. Non, Vital, ça ne veut pas être à toi. Vous n'êtes pas marié sous le régime de la communauté. On n'est pas encore marié. Donc, ça ne t'appartient pas. Ça, c'est à toi maintenant. Voilà. Mais, pour l'instant, tu n'es que sa go. C'est pas sa go, c'est sa fiancée. Ouais, bague de la bague. Non, traditionnellement, on a déjà fait. Vous avez fait la dot. Tous nos parents déjà se connaissent. Non, ça, on appelle ça coco, c'est pas la dot. Non, lui, c'est la fiançaille. Ah, Vital, tu es en train de parler, hein. Ça sort maintenant un peu. Les parents se connaissent. Tout est sur la toile. Ah, nous, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Hein. Nous, on n'a pas vu. Mais attends, Défalé, moi, j'ai envie de demander à Vital. Quand Claire Bailly était Claire Bailly, tu sais bien,
Vital sortait beaucoup de choses. Quand Claire sort, Vital sort. Quand c'était comme Arafat de Bordeaux. Oui. Mm-hmm. Mais depuis que Claire a donné sa vie au Seigneur et qu'elle a décidé de vous laisser dans votre coupé décalé, j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de motivation. Bien c'est sûr. Claire qui tenait la tête de fil, on bien est d'accord. Sûr, oui. Donc tu reconnais que tu avais quand même peur de Claire Bailly quand elle était la pas première peur, dame du coupé décalé. Pas avoir peur, mais je reconnais que la dame, elle travaillait. C'est une bosseuse. Elle est moi, à la j'aime... tête et voit la queue. Moi, je suis venue la trouver dans ça. C'est normal qu'elle soit devant. Aïe. Non, c'est pas normal. C'est... Ça ne veut rien dire. Pour c'est moi, la... c'est la logique. Non. Je suis venue trouver une dame sur le terrain du coupé décalé. Mm-hmm. Elle mène bien le jeu. Elle est devant. Moi, je suis venue. Elle m'inspire. Elle me tire. C'est que quand je la vois, elle dit moi, je vais arriver là où elle est là. Mm-hmm. Donc, du coup, ça m'amène donc, à travailler. Je ne suis pas une suiveuse. Non, ce n'est pas une suiveuse. Pas une suiveuse. C'est, un peu... c'est une motivation pour moi. Une motivation comment? Voilà, mais la suivre comment? Mais aujourd'hui, qui te fait peur dans le coupé décalé? Bon, Miss Sarah, parce que j'ai l'impression que vous suivez toutes les deux. Il y a quelque chose qui vous lie. Bon, je ne veux pas forcément parler de l'homme saga, mais en dehors de ça, il y a une petite rivalité qui vous lie. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a rivalité concrètement entre Bomba Ami Sarah et Vital? Ami spécialement et moi. Mm-hmm. C'est-à-dire, non. On enlève l'homme saga. Rien ne nous lie, c'est que le travail. Donc, vous voulez parler aujourd'hui? Non, on va aller tout ce que vous avez compris. Oui, on n'a pas de soucis. C'est dans le sens du travail. Dans le sens du travail, c'est qui est normal d'ailleurs. Ouais, il y a une concurrence qui est là. Mm-hmm. Voilà, c'est un peu comme une compétition. Okay. Ah, voilà. D'accord. Moi, je veux être devant. L'autre aussi dit, moi, il veut être la meilleure. Mm-hmm. Voilà, donc chacune travaille de son côté. Mais après, avec la compétition, est-ce que les moyens pour accéder devant à là, peut-être que maintenant, il y a des schémas qui sont utilisés. Parce qu'il y a la compétition, il n'y a plus de règlements. Pour accéder devant, c'est-à-dire. C'est-à-dire, au sommet, par exemple. Mais c'est atteindre... de beaucoup travailler. Mais non, est-ce après, que tu ne penses pas que c'est le secret qu'il y a là? Après, il y a les réseaux aussi où on peut se mettre dans mais, les. Ah, mais ça, c'est Dieu maintenant qui te met sur la voie des réseaux. Tu sais qu'aujourd'hui, les réseaux, ils sont pour beaucoup de choses aujourd'hui. Okay. Quand tu veux réussir, attends, il faut avoir un bon contact, un bon carnet d'adresse. Bien sûr. Donc, le relationnel, et puis il y a le facteur chance aussi qui joue. Voilà, donc tout est dans la main de Dieu, c'est Dieu qui décide. Mais quand tu parles de compétition, Vital, est-ce que tu n'as pas l'impression d'être toi seul en compétition avec Bomba Ami Sarah? Parce que bon, des fois on a l'impression qu'elle ne te gère pas et que toi, certaines choses t'énervent. Donc il y a des petits pics que tu lances quand tu fais tes directs. Mais non. Dites-nous la vérité, Vital. Bomba Ami Sarah et toi, c'est moi, quoi je ne lance pas souci? Des pics. Quand moi je vais m'adresser à une de mes collègues, je le fais directement. Je ne lance pas des pics. Parce que je n'ai peur de personne. Nous sommes tous des humains. Si quelque chose me fait mal, je viens, je place mon téléphone, je le dis. Je vais sur un plateau de télé, me pose la question, je dis ce que j'ai envie de dire. Okay. Personne ne peut me frapper, personne ne me nourrit. Je n'ai peur de personne. Donc en ce moment, voilà. Parmi vous là, c'est qui la numéro 1 en ce moment? Bomba Ami Sarah. Mais à vous de me le dire. À vous de me le dire. Nous sommes nombreux, ce que je sais, c'est que les filles, à un moment donné... Vous n'êtes plus très nombreuses en ce moment. Ah bah oui. Bon, nous sommes nombreux, seulement qu'il y a certaines qui n'ont pas encore sorti. Vous a laissé dans le coupé décalé. Qui n'ont pas encore sorti. Elle fait de la variété maintenant. Mm-hmm. Voilà, les chanteuses du coupé décalé, nouvelle génération, il y en a plusieurs qui sont là, mm-hmm. qui travaillent bien. Il y a par exemple, il y a une, on appelle Christou Petit Piment. Il y a Cécilia La Magie. Elles sont nombreuses comme ça. D'accord. Il y a Cachou de Cacharet. Elles sont là, mais seulement qu'elles n'ont pas encore eu le réseau pour sortir la tête de là. Donc il y a un réseau. Mais elles travaillent. Vous les aînés, là, non, mais quand je dis réseau, le carnet d'adresse, les contacts, les gens qu'il faut toucher. Il y a un bouton qu'il faut appuyer. Mais toi, Vital, en tant que dévancière, là, pourquoi tu les envoies pas où on appuie le bouton là-bas? Moi, je sais. Tu veux cacher tes relations, tu veux garder tes relations pour toi seul. Moi, je sais d'apporter, comment je dis ça, je sais de donner un coup de main comme je peux à ces filles-là. Si à un moment vous m'avez bien suivi sur mes réseaux, je faisais même des directs dans mon salon où j'invitais les artistes de nouvelle génération à venir chez moi. On mettait leurs chansons, on dansait dessus, ils prestaient et c'était en direct. Et je mettais même les liens de leurs chansons sur ma page, sur mes réseaux. Je suis la seule qui le fait. Il le faisait. Et à un moment donné, j'ai arrêté un peu. Voilà. Mais après, je vais répondre. J'ai arrêté pourquoi? À cause de ces histoires de Facebook. Quand tu mets les chansons des gens, après. Oui, voilà. On peut même bloquer ta page pour ça. Donc, il y a stoppé un peu pour ça. Sinon, je le fais. Je rends énormément service aux artistes de nouvelle génération. Donc, aujourd'hui, moi, je veux qu'on revienne un peu à Bomba Ami Sarah. Elle est mariée légalement à ton ex, Souleymane Kamagaté. J'ai pas d'ex. Ouais, c'est ça. On sait très bien que c'était ton ex, tu l'as dit. Non, elle est passée derrière d'ex. Toi et peut être archipée le mec qu'il a épousé légalement. Aujourd'hui, Vital va se marier à Marco Versace. C'est moi qui t'ai aussi... dit que je vais me marier. Je sais que tu vas te marier. On le saura dans pas longtemps. Oui, je vais me marier, voilà. Ça c'est clair. Dans pas très longtemps, je le sais. Mon petit doigt me l'a dit. Donc, pourquoi tu n'es pas sortie du mouvement showbiz et tu es encore retourné avec Marco Versace qui est lui aussi un artiste chanteur? Tu veux copier Bomba Ami Sarah parce qu'elle a épousé l'homme Sarah qui est dans le showbiz ou bien c'est oula, quoi? C'est grave ça. Ah, tu mais pouvais aller chercher ailleurs. Tu es ouf toi. Tu pouvais aller chercher ailleurs, Vital. J'ai l'impression que tu copies. Est-ce que l'amour là, c'est localisé dans, c'est localisé quelque part, c'est fixé quelque part là?
L'amour, là, c'est partout. On trouve l'amour partout. Tu es parti. Mais où ça te prend, là, que la personne là te convient? Tu as vu que tu es tombé sur l'homme qui te convient, l'homme de ta vie. Mais si tu es open. Mais à nous, allez. Mais à nous, allez. Et c'est forcément dans le show parce qu'il y a garçon. Il y a garçon partout. Si je l'avais trouvé dans un bureau, que c'était mon coup de cœur. Mais on s'en va. Mais justement, les gens disent que Vital ne cherche jamais ailleurs. Vital reste toujours dans le voilà, elle reste toujours dans le milieu du showbiz. Elle tourne, elle gravite autour. Elle aime Vital. Beaucoup le milieu du showbiz. C'est quoi le problème avec les hommes du showbiz? Tu les aimes particulièrement? C'est pas moi qui tourne dans le showbiz pour chercher un homme qui va prendre mon cœur. Si mes yeux sont tombés sur toi et que toi, tes yeux sont tombés sur moi et qu'on s'entend, on a les mêmes visions, on marche ensemble. Vital, la scie, parce que quand tes yeux tombent aussi, quelqu'un tu laisses pas. Tu laisses pas, hein? En fait, moi, quand je suis dans une relation, j'y vais à fond. Ok. Voilà. Tu es sans faux fuyant, tu sais pas tricher. Non, ne triche pas en amour. Mais justement, il y a Daisy Frangine qui était assise là il y a quelques temps qui disait qu'elle, elle aime tout ce qui est bestial. C'est-à-dire, quand un homme a un gros truc, elle adore ça. Qu'en est-il de Vital? Est-ce que toi, tu as une particularité concernant les hommes? Non. Tu as tout terrain. Un homme qui me respecte, qui aime le travail que je fais, qui me soutient, qui me comprend, moi ça me va. Qu'il soit aussi propre, parce que la propreté aussi. Mais est-ce que tu peux sortir Vital avec quelqu'un qui ne te donne pas d'argent? C'est-à-dire un gars qui n'a pas de revenus, qui n'a pas de sous. Est-ce que tu peux sortir avec lui juste par amour, même s'il ne te donne pas d'argent? Si c'est quelqu'un qui cherche du travail, ou quelqu'un qui... C'est-à-dire que... Qui a l'envie. Il a envie de faire quelque chose, mais seulement que c'est la chance qu'il n'a pas encore eu, c'est le boulot qu'il n'a pas encore eu, c'est les moyens qu'il n'a pas encore eu. Je suis partante. Je donne le coup de main financier comme je peux. Il ne cherche même pas à faire quoi que ce soit. Non, c'est infernal. Ça franchement, c'est pas pour moi. Tu peux donner même un coup de main financier. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais est-ce que ça n'a pas fait de toi quelqu'un qui entretient Gigolo? Pourquoi entretenir Gigolo? C'est mon homme en ensemble. Je connais sa situation. D'accord. Je sais que le gars fait des efforts. Tu vois que c'est pas un homme infernal, un gros paresseux qui a couché la patente de l'argent. Mm-hmm. Il va chercher, mais seulement qu'il ne gagne pas, seulement que ça ne marche pas. Mm-hmm. Mais je le soutiens parce que je veux de cet homme-là. Je veux qu'on soit ensemble. Je veux qu'on construise quelque chose ensemble. Voilà, d'accord. Ça n'a rien à voir avec un paresseux. Moi, j'ai horreur des paresseux. Ouh là là. Non, j'ai horreur des paresseux. Alors, Chola, il y a une autre chose qui est fort de constater dans la vie de Vital. Mm-hmm. Vital, il se trouve qu'à chaque fois, tu changes régulièrement de manager. Mm-hmm. On ne sait pas ce qui se passe. C'est toi qui as le problème, moi. Ou bien c'est le manager qui va le rire. Elle est chasse. Tu es avec Santos, après Narcisca. Aujourd'hui, encore, on dit tu es un nouveau encore manager. Bon, Santos n'est plus là. Elle a encore chassé. Mais c'est ce que je ne l'ai pas chassé, je lui ai donné sa liberté. Ah, il était emprisonné. Je pense bien. D'accord. Mais moi, je ne chasse pas les personnes avec qui je travaille. Comme je vous l'ai dit, j'aime pas les personnes paresseuses. Ok. Et puis moi, j'aime mon travail. Donc, il était paresseux. J'aime mon travail. Et que si je vois que tu joues avec mon travail, je te donne ta liberté. Je dis, écoute, ne pense pas que je t'exploite, que je t'utilise pour peut-être réussir quelque chose ou quoi. Donc, va ailleurs. Va travailler ailleurs. Là où tu penses que tu seras mieux traité, tu seras bien comme tu veux. Mais chez moi, c'est le travail qui rime. Si tu ne peux pas bien travailler comme je veux, franchement, on se libère dans la paix du Seigneur. Ça n'a rien à voir. Maintenant, dans le cas de Narcisca, comme tu viens de dire, Narcisca n'a jamais été renvoyé. Narcisca, lui et moi, c'est quel genre de travail? Lui, c'est le manager qui trouve les spectacles, mais qui ne se promène pas avec l'artiste. C'est le tourneur. Il est assis dans son coin et il trouve les marchés, les contrats pour Vital et pour beaucoup d'autres artistes, pas que moi seul. Donc, quand il trouve le spectacle, il prend son pourcentage. Son pourcentage. Voilà. Il n'est pas mon manager qui me suit partout. Il est un tourneur. Ah, voilà. C'est comme si c'était lui, c'était mon manager. Un démarcheur. Voilà. Lui, c'était mon manager. Il était derrière moi. On faisait tous les voyages ensemble. Il était toujours derrière moi. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Il y a eu des gens qui se plaignaient par rapport à certains cachets qui ont dû donner. Et puis moi, je suis pas parti à leur spectacle et tout ça. Donc, il y a eu trop de choses qui sont arrivées. Il y a eu même une histoire avec Mewé. Mola, au Festival Primus. Tout ça, c'était Santos. Donc, une personne qui travaille avec moi, qui essaie de chaque fois me mettre un peu en colère, me mettre toujours mal avec les promoteurs, je préfère que cette personne-là... Te séparer d'elle. Voilà. Sinon, il n'y a pas eu l'histoire de chasser. Non. Okay. Alors, Vital, en même temps, aujourd'hui, je remarque, hein, je dirais, tu as un tatouage ici, Vital, tu as un autre tatouage ici. Sur la cuisse, sur le mollet gauche. Mollet gauche. Mais au total, tu as combien de tatouages? Ah, il y en a plein. Hein. Et puis, Marco Versace, tu aimes ça? Il y en a plein, il y en a ici, de deux côtés. Il y en a... Dans le dos. Sur la taille, mon bras ici, là j'en ai. Wow. Vous voyez tout ça. Il y en a partout. Il y en a beaucoup. Hein, beaucoup. Donc, même les fesses, tout ça. Donc, c'est tout ça, Marco Versace a vu et puis il a aimé. L'esthétique, c'était que mes lèvres.
Ah, pas les lèvres aussi sont redevenues comme c'était avant. Ils oui, pas, je pense mais que c'est ça, c'est pour un moment. Je expliqué, je c'est dis, pour un moment. Oui, c'est pour un moment. C'est pour 6 mois, mais Dieu merci pour moi-même, ça fait qu'est-ce plus qu'est-ce qui a poussé Vital à j'aime les grosses lèvres. Produits dans ses lèvres. J'aime les grosses lèvres. Et ça fait quoi? Je sais pas, mais j'aime ça les travaille bien. Parce que j'aime beaucoup me maquiller. Donc, quand tu as des petites lèvres, quand tu mets ton rouge à lèvres, ça ne met pas les couleurs en valeur. Mais plus les lèvres sont grosses, quand tu maquilles les lèvres, tu vois que quand on te voit là, c'est ta bouche d'abord. Tu es sûr que c'est la seule raison, Vital? Est-ce que ça ne travaille pas bien ailleurs? On voit ta bouche d'abord avant de voir ton visage. Seigneur, l'autre côté aussi, ça excite. Hein. Ah, tu entends défaler? Elle dit les grosses lèvres font quoi? L'autre côté aussi, ça excite. Quand on te voit là, on voit ta bouche d'abord. C'est ta bouche d'abord. C'est réglé au mien. Ça, c'est quoi ça là maintenant? C'est ça, c'est ma vision. Vital vient de dire que ça me plaît comme ça. Les lèvres, les grosses lèvres, ça travaille aussi ailleurs. Mais bien sûr. De quelle façon, Vital? Ça fait un bon travail. Quel travail? Oui, c'est ça. Non, parce que nous, on ne sait pas. On n'a pas bossé nos lèvres, donc on ne peut pas savoir ce que ça fait. C'est pour parler. Bon, c'est là, c'est pour... Tu dois manger. C'est quel travail? C'est quel travail ça fait? En tout cas, ça mange bien, ça lappe bien, c'est bien. Ah, ça lappe bien. Ça lappe. Ça lappe quoi exactement? Mais ce qui est lappable. Bonbon. Ah, tout bonbon, tout ça. Ah, d'accord, ok, c'est maintenant que je comprends. Tout ce qu'elle a pas. Mais Vital, dans le temps, tu sortais avec le producteur. Je souffre. Dao l'argent. Voilà. Il sortait pas Dao l'argent. C'est pas vrai. C'est mon collaborateur. Oh non, Vital, ne dis pas ça. Faut arrêter ça. Tous les téléspectateurs vont s'évanouir. Mais non. Arrête ça. Mais non. Qui s'évanouit donc? Mais non. Ah, c'est à lui, Dao l'argent, c'est un homme marié. Les téléspectateurs vont s'évanouir. C'est vrai ça. Mais bien sûr, Dao a sa famille en Europe. Mais quand tu sortais avec lui, tu savais pas. Il sortait avec lui comment? Je travaille avec lui. Aïe, aïe. Dao l'agent, c'est mon boss, c'est mon confident. Et puis, il y a une belle complicité entre nous. Merci. Et le compliment de Farah Farah. Bien voilà. Sûr. Complice. On va respecter la famille de Dao l'agent. Je voilà. Pense que c'est mieux. La complicité. Sinon, c'est un bel homme. Bon, moi, c'est ton genre, non? Moi, je les aime noir de préférence. Alors, Vital, quels sont les prérogatifs à venir? Parce qu'on sait que là, tu es de retour. Tu as stoppé un peu la navette. Bon, peut-être que... Je n'ai pas stoppé. Moi, bientôt. Tu t'en vas encore? Oui, okay. Où ça? Mais... Dans le foyer levé? Oui. Vital, laisse le monsieur travailler à Paris pour gérer ses 50 employés. Aïe! Plus de 50. On peut déconcentrer quelqu'un comme ça? Il travaille tranquillement. Je l'accompagne souvent. Hein. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec Annie-France Bomba? Est-ce qu'il y avait des rapports entre nous? Oui, mais après il jamais avoir des rapports le clash qu'il y a eu entre vous. Vous n'avez plus communiqué, c'est resté comme ça? Non, après je suis repartie faire l'émission. J'ai donné mon droit de réponse que la chaîne de télé a dû supprimer. Et quand... Oui? Ah bon? Oui, explique-nous. J'ai donné mon droit de réponse. Je lui ai dit ce qu'il fallait dire. Voilà. Et la chaîne a supprimé. Elle se permettait de juger. Elle s'est permise de juger certaines personnes voilà, qui parlent mal. Des artistes qui parlent mal également de moi aussi, tout ça sur les réseaux sociaux, tout et tout. Je leur ai dit non, tu n'as pas ce droit de parler parce que toi-même, tu es la pire des personnes qui parlent mal. Voilà, tu n'as pas de droit, ce droit. J'ai dit beaucoup de choses en fait. Voilà, franchement, je me suis libérée. Ah, okay. Je lui ai dit ce que je pensais. Voilà. Et la chaîne a supprimé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et quand les gars devaient diffuser l'émission, ils ont supprimé carrément toutes ces parties-là. Et ils ont juste mis une partie qui les arrangeait. Et du coup, je suis sortie, j'ai fait un direct. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai fait un direct, je me suis adressée directement à eux. Pour leur dire que moi, je ne mettrai plus mes pieds là-bas. Tant qu'ils ne mettent pas cette partie de l'émission sur la toile que tout le monde voit. Voilà. D'accord. Mais Vital, je sais que tu es quelqu'un qui a un sang, un tempérament un peu chaud, tu te laisses comme pas faire. Le tien. Bon, d'accord. Je ne suis pas l'invitée de Farah Farah, mais on verra ça après. Donc, tu as un tempérament chaud, tu es quelqu'un que tu te laisses pas faire. Et j'admire ça chez toi. Merci, ma mais soeur. Ce que j'ai pas trouvé, j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que quand Annie France t'a sorti la phrase ta voix ou ta musique donne envie de se suicider, j'ai pas vu la Vital que je connais. Oui. Voilà. Moi-même, j'étais surprise de me voir comme justement. Ça. Justement, qu'est-ce qui s'est passé là en ce moment dans ta tête? Qu'est-ce que tu t'es dit? C'est Dieu. Sinon, je ne sais pas. Tu me connais où? Justement, je ne t'ai pas reconnu. C'est Dieu qui m'a dit là. Ignore même carrément. Tu as eu peur de t'attaquer à elle ou... Non, pas peur. En fait, depuis, je n'ai jamais entendu ça. Quelqu'un qui donc, est... Donc, tu as été choquée. Quelqu'un qui est si cruel envers son semblable. Je n'ai jamais cruel. Vu ça. Donc, j'ai été choquée. Non, c'est pas un peu fort, si, cruel. Mais c'est... Ce qu'elle a fait, c'est grave. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Donc, moi, Dieu m'a dit tout était c'est mieux. Face à ça, la terre dit quoi? Alors, il y a une chose qui se passe en ce moment. Moi, j'aimerais savoir la vie de Vital. Alors, est-ce que Vital, toi, si tu as une relation aujourd'hui, tu es avec Marco Versace, si jamais demain, ça se passe, va durer. Ça se passe mal, ou si la relation ne dure pas, hein? Est-ce que tu serais capable d'aller t'asseoir sur un plateau de télé pour exposer
la personne. Tout quoi. Si on s'est séparé, on s'est séparé. Quand c'est Dieu qui a voulu. Mais c'est pas qui en clash. C'est une façon de parler. Pour non, dire que les si femmes on s'est séparé, on s'est séparé. Mm-hmm. Voilà. Moi, j'allais m'asseoir pour expliquer quoi à qui. Est-ce que c'était nous là-bas? Bon, au jour d'aujourd'hui, on constate que ça s'est fait beaucoup maintenant. Oui, on voit Marcoso Sarah Messin, il a exposé la fille un peu partout sur les plateaux de télévision. On voit il a aussi expliqué Peter, de quelle manière il a proposé et tout ça. Emmanuel Keïta avec Peter Zero. On n'a pas tous les mêmes manières de voir les choses. Mm-hmm. On est venu un sur la terre ici, on n'est pas nés ensemble. Mm-hmm. Donc chacun fait ce qu'il veut de sa vie. C'est très bien. Merci bébé. Donc, et toi, tu ne le ferais pas? Non. Mais c'est moi qui me ridiculise aussi. Mais Vital, est-ce que tu penses que la relation avec Marco Versace va arriver à évoluer quand on sait que Vital a un tempérament assez chaud et que Vital est désiré par presque tous les hommes ivoiriens? On dit que Jésus. Toi aussi tu fais partie des personnes qui vont voir le roi 12-12 à Bamako. Est-ce que... Pardon, t'as dit quelque chose, j'ai pas entendu. On dit que tu fais partie des personnes qui vont prendre enveloppe chez le roi 12-12 à Bamako. Je ne suis pas là à Bamako derrière le roi 12-12. Chaque fois que je suis partie à Bamako, c'était pour mes spectacles. Moi, tout ce que j'ai fait, même sur les réseaux sociaux. Il ne t'a jamais donné d'enveloppe. Il ne m'a pas encore donné mon enveloppe. Mmh. Donc, tu attends l'enveloppe là. Si tu nous suis, l'enveloppe là, je l'attends jusque là. Mmh. Voilà. C'est ça. Sinon, quand il est venu, nous sommes partis le voir à sa résidence. Tu lui as demandé une voiture aussi? Mais non, j'ai dit à la voiture de mon fiancé qui est là, pour qu'elle me voiture à quelqu'un encore. Mmh. Ça te voilà. Suffit. Donc, j'ai dit à le roi 12-12, j'attends mon enveloppe. Il m'a dit, je m'en vais, ton enveloppe va suivre. Voilà, donc j'attends mon enveloppe, je ne suis pas pressée. Ah, parce que je n'ai pas faim. Mais, peut-être que c'est parce que tu n'as pas encore rampé. Mais, moi, je ne comprends pas. Je n'ai pas besoin de ramper. Le fait mais de chanter son nom, déjà, c'est déjà quelque chose. Mais tu as un fiancé Vital qui a largement les moyens de t'offrir ce que tu veux. Pourquoi tu attends enveloppe de roi 12-12? Mais ah, c'est un parrain. Et puis, c'est un bienfaiteur. Si il attend mon enveloppe, ça fait quoi? Il chante son nom. Oh, donc, il faut qu'il débloque les spots aussi. Les artistes, à vous, c'est pas faire des parrainages. Il faut qu'il débloque ses spots et puis il faut qu'il soutienne son artiste que je suis. Mais Vital, quand tu seras marié une fois pour le bois à Marco Versace, est-ce que tu vas arrêter ces histoires de parrainage là? Parce que pourquoi je vais arrêter? Tant que je serai artiste, il y a bien des parrains. Ah non. Les vieux artistes qui vont faire le concert qui demandent sponsor, c'est pourquoi? Mais c'est pas des parrains, c'est sponsor. Mais tu demandes sponsor. Mais nous, c'est nos parrains, c'est nos sponsors. Mais ça, c'est des sociétés, c'est pas des personnes physiques. Mais les personnes. Qui fait la société? C'est pas la personne physique qui fait la société là. Bon, donc, le contexte est plus déplacé, plus la personne physique est dans la société. Donc, moi, je prends la tête de la société. Pourquoi elle met encore nous dans la société? C'est la tête là même que je vise. Défalé. Vital n'a qu'à regarder sa caméra. Et puis, elle n'a qu'à dire au roi 12-12 qu'elle attend son enveloppe. Oui. Son panier. Papa, j'attends mon enveloppe. Hein. Je suis assise là, j'attends mon enveloppe comme ça. Elle est assise à part, quoi. Elle attend son enveloppe. Je suis pas assise à terre, je suis assise dans mon fauteuil. J'attends. Fauteuil jaune. Bon, est-ce que Vital, quand tu seras marié, tout ça là, est-ce que ça sera pas difficile plus à gérer? Quoi comme ça? Parce que ce genre de situation là, peut-être que ton mari, quand lui va voir ça, non, moi ma femme, elle apparaît ici, elle apparaît là-bas. Tu sais, on est des hommes, hein, tu vois, non, parrain comme ça. Et surtout ça. Les prestations de Vital dans des petites tenues moulantes. Est-ce que quand tu seras marié, si ça fait des tenues moulantes, lui-même il aime ça, hein. Ah. Non, il aime ça pour lui. Mais on est les hommes, Vital. Mais il m'accompagne souvent pour les spectacles, il m'accompagne souvent, c'est devant lui je m'habille, non? On fait le shopping ensemble. D'accord. Donc, il aime ça pour lui et puis il aime aussi ça quand on te regarde aussi dedans. Mais il sait que c'est pour le travail. Des fois, c'est un débit. Non, c'est la part des choses. Il est posé. Il sait que forcé, tu me regardes, il est prêt, ça, tu ne peux pas aller quelque part à moi. Mais il est fini, il sait lui. Donc, son cœur ne va pas. Mais Vital, laisse-moi te dire, tu sais, ça reste un homme. Hein. Il va accepter ça pendant un moment. Mais s'il dit il veut plus que je m'habille sexy, j'arrête. Voilà, c'est ça. Mais il ne m'a pas encore dit, donc on est dedans. Et il te le dira. Oui, si tu me le dis, je vais changer. On va trouver une autre stratégie, un autre style vestimentaire. Parce que n'oublie pas que. Sexy, Vital, mais pas. Mais Vital, n'oublie pas que la relation avant le mariage n'est jamais pareille. Que quand tu es dans le foyer. Je sais. Je sais. Il y a ça aussi. Parce qu'avant, là, il y a d'autres comportements qu'on ne montre pas, puis on veut rentrer. Je sais. Maintenant, une fois qu'on est rentré, il y a l'autre qui sort. J'ai pas de problème avec ça. D'accord. Si il me dit qu'il ne veut plus tout ce qui est comme ça là, il n'y a pas de souci. Oh, peut-être ce qui est comme ça. Si il ne veut plus aussi, oh, peut-être ce qui est comme ça. C'est quand c'est sexy là. C'est pas forcément quand c'est court. Tu peux être habillé décemment, mais sexy. Mais oui, Marco Versace, voilà. C'est un artiste, non? C'est bien un artiste, c'est oui, ça? Il n'aime pas dans le showbiz. D'accord. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est venu derrière Vital parce que tu as une cote de popularité? Est-ce qu'il n'est pas venu gratter un peu tes fans, se frotter à toi pour avoir un peu de notoriété? Je ne pense pas. Il faut lui poser la question lui-même. Quand il va venir, on lui demander, mais pour l'instant, tu es là pour les. Je ne suis pas la seule artiste dans la musique. Il peut prendre une autre. Mm-hmm. Il a les moyens de d'être avec qui il veut. Quel genre de femme? Quelle catégorie? Quel est-ce format? Qu'en disant ça, c'est pas motiver les autres à aller vers lui aussi? Même en cas parti vers lui, il est là. Il y a ça aussi. Elle n'est pas partie. Il est si tranquille même. Bon, et si une vient tenter de te faire le même coup qu'on t'avait fait Dia auparavant? À la bombe à Sarah, par exemple? Par exemple. Laisse le nom de la dame tranquille. Non, mais c'est toi qui nous as dit t'as rasé.
Moi, hey, j'ai dit, j'ai pas d'ex. Vital, la Côte d'Ivoire est témoin. J'ai dit, j'ai pas d'ex. Faut pas faire, on va aller fouiller dans le passé, voilà, venir. Celle qui veut aller faire taper dos sur ma cola, il est là, allez-y, essayez. Je suis serré, je connais mon nom. Et si une vieille, tu rases encore. C'est quoi? Si une vieille, tu rases encore. Ah, ah là. J'ai dit, je connais mon nom. Elles n'ont qu'à aller. Elles n'ont qu'à aller essayer. Bakou, où t'as rasé, vous pouvez vous la raser, toi aussi, hein, tu parles avec ta là. Alors Vital, quelles sont tes relations aujourd'hui avec Karina Steele quand on sait qu'il y a quelque temps vous avez eu un petit clash? Ça s'est terminé comment finalement? Ben, c'est terminé comme ça. Parce c'est resté comme ça. Film, en fait. Elle a présenté ses excuses, il a accepté, c'est fini. Ah donc tout ça c'était pour te demander pardon? Non, elle a jugé bon de faire la paix. Je suis partante. Ah, donc c'est bon. Oui. Toute forme de. C'est passé à Genève. Voilà, pendant un concert, quand j'ai fini ma prestation, elle est venue vers moi. Okay. Il y avait Didier Léo qui était là, il y a beaucoup d'artistes qui étaient là. C'est passé devant tout le monde. Voilà. Samy Succès était là, tout ça. Et tous mes ils ont été venus et tout ça. Ça s'est passé tranquillement, quoi. C'est bien. On reste la famille. C'est ça. Voilà. Mais il y a aussi un monsieur qui vit à Paris qui t'a insulté sur les réseaux sociaux. Tu partais monter dans une voiture, là. Et puis, il était en train de t'insulter, disant tu sais pas chanter et tout ça. Caliban Choco. Voilà, justement. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Pourquoi il s'est attaqué comme ça à toi? Il y a un antécédent entre vous deux? Non, je ne le connais même pas. Donc, à ton avis, pourquoi il a fait ça? Je ne sais pas. Peut-être qu'il avait envie de se faire voir, c'est tout. Il était à la recherche du buzz? Parce que je pense qu'il a quand même aussi une petite cote de popularité, non? Ah bon? Oui. Moi, je ne le connais pas. Vital, de toute façon, tu parles du gars là. J'ai l'impression que tu le connais, tu veux pas. Non, je ne le connais pas. Parce que venir s'attaquer comme ça à quelqu'un là, c'est bizarre. Il n'y a jamais de causé. Il n'y a jamais de causé. Je le connais pas. Dans le milieu, tu le voyais quand même. Je voyais souvent. À Paris? Il dansait façon sur les réseaux sociaux là. Je voyais ça, mais je ne sais pas c'est qui. Je le vois souvent, il fait des trucs bizarres. Il danse façon. Je voyais ça. Mais je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Voilà. Même son nom là-même, je ne connais pas. Voilà. Donc, ce jour-là, il a dû demander. C'est juste pour lui demander un renseignement. Moi, je partais quelque part, puis je l'ai vu là. Et puis, j'ai salué. Je voulais lui demander un renseignement. Et j'ai salué, il n'a même pas répondu. Il a commencé à m'insulter. Je me suis dit que, bon, tu vois, les gens ont pour habitude de. Et qui a filmé la scène? Ce genre de langage comme ça. Et puis après, c'est juste de l'amusement. Et qui a filmé la scène? C'est lui qui filmait. Il avait son téléphone en main, c'est lui qui filmait. Voilà. D'accord. Et j'étais surprise, mais pour moi, peut-être qu'il ne filmait pas. Il a mis le téléphone comme ça, il s'amusait. Mais c'est le lendemain, quand j'ai reçu le coup de fil de Moula, qui m'a dit, mais qu'est-ce que je vois sur les réseaux? Voilà. Il dit, ah, donc je me réveille, je regarde, je vais me connecter, je vois que la vidéo est partout. Donc c'est un acte prémédité. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je ne sais pas ce qui l'a amené à faire ça. Mais bon, c'est entre lui et puis Dieu, quoi. D'accord. En tout cas, Vital, nous, on a pris un réel plaisir à te recevoir ici dans Fafa, ici à Ivoire TV Musique. Voilà, on te souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Et surtout, énormément. Courage pour la suite de ta carrière. On espère te revoir bientôt et surtout marié à Marco Versace. Amen. Que Dieu vous entende. Merci beaucoup, Vital. À bientôt. Ma salle est prête, non, il fallait. T'inquiète pas. C'est qui vous lit, il a commencé à nous affairer. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Big up à Kangala le berger, la grande famille. Big up à Franck Mian, le jeune industriel. Big up à Willy, depuis Africa Solar Energy, on est ensemble. Big up à mon type Ange Blé, le cultivateur. Big up à la marraine Mathilda. Big up au PDG Pierrot. Big up à tous ceux qui nous soutiennent. Big up à mon papy Vivianus, depuis ta position, on est ensemble. Big up à maman Vivianus aussi, à toute la grande famille, merci. Et surtout, sortez couverts. N'hésitez pas à partager toujours le Fafa, on est ensemble.